dans l'enseignement de la parole de Dieu. Frère Napoléon. Jesus. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni, non? Amen. La pauvre Bible ensemble avec moi, s'il vous plaît. Dans le livre 1 Roi, chapitre 16. 1 Roi, chapitre 16. On a pris le verset 29 jusqu'au verset 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 30e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant, qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On a continué dans le chapitre 17 là. On a pris un verset premier à continuer. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fut sur la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bon Dieu béni, non? Amen, amen. Mes bien-aimés, nous bien et nous comptons pour nous capables ensemble avec vous matin là qui réunis pour nous capables et bien suivre, tendre et étudier la parole de Dieu. Mes bien-aimés, nous saluons aussi le monde qui a suivi nous de loin, qui a suivi ensemble avec nous et la parole de Dieu. Si on plaisit chaque fois Dieu, ben nos possibilités. Chaque fois, Dieu fait nos grâces pour nous capables, j'aime toujours dire, à respirer encore. Maintenant, nous avons une possibilité
pour lire et comprendre un peu de la parole de Dieu dans ce temps qu'il gagne, côté, nous, ouais, quel point qui est important à travers le texte, ça, nous sommes là, qui en plus, le monde déjà habitué lit et habitué tendé par d'autres serviteurs. Mais maintenant, nous avons une possibilité pour nous quelques points importants en dans le texte là. Il y a un point important qui n'a point, c'est qu'il existe toujours un forteresse à qui Dieu se révèle. Il existe toujours un forteresse à qui Dieu se révèle. À ce moment-là, il est important qu'il apprenne dans le texte là. J'ai toujours dit, quel que soit, Jean n'aurait le monde pralé. Quel que soit, caractère, n'aurait l'église brun. Quel que soit, comportement, les soi-disant religieux, mais il y a un monde toujours qui a obéi, mon Dieu, selon parole, mon Dieu. Ça, c'est une chose que nous avons besoin de mettre en tête, nous, qui fait que, on n'a pas fixé les yeux seulement vers le monde qui a désobéi la parole de Dieu. Mais toujours qu'on est, toujours mettre en tête, nous, il y a un monde qui a obéi, mon Dieu, selon parole, mon Dieu. Ce n'est pas seulement avec les serviteurs qui nous joignent dans la Bible. Même dans le moment qu'ils vivent là, toujours il y a une faiblesse. Toujours il y a un monde qui a cherché mon Dieu. Toujours il y a un monde qui rêvait mon Dieu. Toujours il y a un monde qui s'y sert envers mon Dieu. Et nous te voyons, malgré qu'il a dégénéré de nos jours, ce n'est pas seulement le jour qui a commencé. Et ça, c'est depuis des années. Même avant la venue de Jésus-Christ, la situation est toujours compliquée. Où il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des faux serviteurs. Il y avait toujours des faux dirigeants et aussi des vrais dirigeants. Et bien, le moment qu'il a vu là, mais puis il met, gagner des faux et toujours connaît ça, gagner des vrais. Et mes bien-aimés, non, moi, la situation d'Élie. Élie, un prophète de l'Éternel, et comme on connaît, nous voilà toutes caractéristiques d'Élie. Mais la Bible présentait Élie comme un prophète et un vrai prophète de l'Éternel, qui obéit, mon Dieu, qui marchait avec parole, mon Dieu. Et nous joignent en ce même moment, d'après ça, nous connaissons de l'histoire, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux. Il y a une partie Israël et il y a une partie Juda. Donc, mes bien-aimés, ils ont considéré tous les rois de Juda comme des bons rois et tout roi qui a régné sous Israël, transformé en mauvais roi. Et parmi tout roi, ça y est, pas oublié, c'est des rois choisis pour conduire le peuple de Dieu. Et c'est là qui nous intéresse. C'est des personnes qui choisissent pour conduire le peuple de Dieu. Mais arriver au pouvoir, arriver dans le royaume, n'est que transformer le temple de Dieu en temple de Baal. Voici, c'est la passage de nos jours, c'est la privée dans des assemblées. Des gens qui se disent chrétiens, des gens qui se disent appelés pour conduire le peuple de Dieu. Et qui se disent, mais bien aimé, qu'à conduire le peuple de Dieu vers le royaume de Dieu. Mais pourtant, qui transformait le temple de Dieu en temple de Baal. Par rapport au fonctionnement, par rapport à attitude, par rapport au comportement, ils ont transformé service Bodjéa en service de Baal. Et cela, mes bien-aimés, pas étonné le peuple là.
sentir dans le paix malgré la situation à dégénérer. Peuple à sentir dans le paix malgré le senti. Moussa qui continue à continuer le fait Baal. Et c'est ça qui passait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a jamais révolté pour dire nous, cette face aussi, par continuer vers Dieu. Nous avons besoin de tourner vers le vrai Dieu. Le Dieu qui crée le ciel et la terre. Le Dieu qui donne la liberté. Le Dieu qui donne la vie. C'est Dieu ça qui voulait sa vie. Et mes bien-aimés, ce n'était pas ici pour le peuple d'Israël. Pour le royaume de Juda, c'était différent. Le roi qui régnait sur Juda avait la crainte pour l'Éternel. C'est toujours une crainte pour mon Dieu. Tandis que le roi qui régnait sur Israël n'a jamais de crainte pour mon Dieu. Il a toujours voulu mélanger le service de Dieu avec le service de Baal. Il a toujours voulu mélanger service mon Dieu avec service à Satan. Et la Bible a donné exemple là avec roi Akab. Pas oublier à chaque fois, il y a un roi, le royaume prend fin avec le roi, qui est un roi qui montait. Et le côté de l'histoire, le roi Akab. La Bible dit, lorsque le roi Akab montait roi Israël à Samarie, Akab allait plus loin dans ça qui manquait tout le monde qui était là avant. Et non seulement Akab fait ça, Akab, au lieu pour adorer mon Dieu lorsque le fut monté roi, les montait au contraire, les bâtit un temple, ils ont estati à stati. Ils ont estati zidol. Et c'est ça, bien aimé, en pile monde qui commençait à servir mon Dieu, au bout de la route, il a cherché propre profit par eux. Et ne cherchez profit par eux, ils ont transformé tant pour Dieu en temps de Baal. Et mes bien-aimés, la Bible dit que ce qui est le plus grave dans le cas d'Akab, c'est qu'Akab, non seulement il a adoré Baal, mais il prend le marié avec un manteau, qui c'est Jézabel. Et la Bible dit que Jézabel aussi, qui t'a connaît pas mal de choses. Parce que Jézabel qui t'a prié en pile prophète pour Dieu. Donc, mais la situation est bien dégénérée. Et c'est là, Dieu t'a pas entré dans la situation ça. Dieu t'a pas lié Élie. Pour le voyer Élie vers le roi Akab. Pour dire Akab. Parce que tout, la Bible dit tout ça Akab a fait. La faire pour capable irriter mon Dieu. La faire pour faire mon Dieu révolter même. La faire avec une envie. Hein, pour montrer mon Dieu. Et ça, Bible a dit. L'on lit dans verset 33, dans Éroi chapitre 16 là. Tout cela fait, c'est pour capable irriter l'Éternel. Et la Bible dit, arrivé à un point, Dieu t'est irrité tout pour vrai. Et Dieu va envoyer le prophète Élie. Malgré Israël corrompu, mais il y a un homme parmi le peuple qui craignait l'Éternel. C'est Élie. Malgré le peuple d'Israël mélanger le salut de Dieu. Malgré Israël mélanger le travail pour Dieu. Mais qu'il y a un monde dans la race d'Israël là. Qui au monde n'a pas Israël là, qui n'a pas mélangé travail mon Dieu là. Et ça voulait tout matin, quel que ce soit tendé dans le monde, contre les serviteurs de Dieu, toujours maintenant tête où, qu'il y a des monde qui respectent mon Dieu. Quel que soit tendé sur les médias, soit tendé contre les soi-disant serviteurs, les soi-disant pasteurs, les soi-disant révérends, les soi-disant évêques, les soi-disant apôtres, toujours maintenant tête ou même bien aimé, ou même qui chita là, ou même qui assure dans des lois, qu'il y a des mondes qui respectent mon Dieu. Qu'il y a des mondes
Même si la situation est difficile pour yo, qui va jamais entrer dans le compromis avec Dieu. Mais qui est même si on a un grand coup, qui va jamais mélanger le service pour Dieu avec le service Baal. Qui est monde, mais bien aimé, même si on n'a pas de rang social, mais qui respecte le service de Dieu. Qui connaît le service de Dieu, son mari qui est consacré, qui n'est pas à mélanger. Et Jésus-Christ dit ça, ma bien-aimée. Mais dit, on n'est pas capable de servir tes mains à la fois. Et nous souffrons pas chambre de l'eau. Ce soit l'eau de l'eau douce, ou bien l'eau salée. On n'est pas capable de servir Baal en même temps pour servir mon Dieu. On n'est pas capable de servir le Dieu de l'argent, mon mot, et en même temps pour servir mon Dieu. Mais bien-aimée, ce faible reste Élie. Dieu relève Élie. Il faut y lever à Akab. À cause, ma bien-aimée, ça Akab fait enflammer la colère de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, pendant période de temps, la pluie peut tomber dans le royaume d'Israël. Pendant une période de temps, la pluie peut tomber en Israël. Entre parenthèses, ma bien-aimée, ma petite ça maintenant. Le péché amène toujours la tristesse. La désobéissance avec Dieu par chambre pour des profits ou non. La désobéissance envers la parole de Dieu par aucune garantie de la vie au bout de main. Quel que soit le monde qui a désobéi au Dieu, il n'y a pas parlé plus loin. Quel que soit le monde qui va avoir respect pour la parole de Dieu, pas pour aller plus loin. C'est un monde qui est malicieux derrière. Tout le monde a désobéi. Tout le monde qui sent respect pour le nom de Dieu. Mais on se songe, ça la Bible dit. La Bible dit, mais bien aimé, mon pas de droit, non mais non pour Dieu, pas en vain. Depuis, mon ou pas de droit, ou pas de droit, à mélanger le travail de Dieu. Depuis au monde la pilier, on sent respect pour Dieu. Ou pas qu'à mélanger le travail de Dieu. Et c'est ça la pilier qui fait apostasie. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Depuis ce monde qui a prié mon Dieu, il ne peut pas rétracter et l'empêcher encore. Depuis ce monde qui a noué nos bouches dans la bouche, il ne peut pas continuer à vivre dans le péché toujours. Il n'est pas possible. Et c'est à quand Dieu parlait le prophète Élie pour fouiller vers Akab. Pour dire Akab, à quand tout désastre, tu fais qu'on mélange travail avec travail Baal. Tu fais qu'on ne peut pas obéir. Tu fais qu'on sent respect pour travail moi. La pluie a suspendu tomber en Israël pendant une période de temps. Mais bien aimé, désobéir la parole de Dieu a des grandes conséquences sur la vie nous. Désobéir la parole de Dieu a des grandes conséquences sur la famille nous. C'est pas seulement les autres qui n'ont pas la dîme, n'ont pas béni. Mais il faut en faire une connaissance de nous. Désobéir la parole de Dieu a des grandes conséquences sur toute génération qui est en vie. Et même là, il y a un monde qui a géré nous. Même un président ou un roi qui a géré nous. Si c'est lui qui a géré, on est plus tombé dans la désobéissance qu'à la cause. La colère de Dieu tombe sur nous, tout à suivre. Et là, nous joignons Dieu relé Élie pour fouiller le Akab, pour annoncer ce qui allait se passer en Israël. Et puis lorsque bon Dieu fut parler avec Élie, pour venir prononcer pour dire Akab, mais qui conséquence ça va faire mal produit. L'Éternel dit Élie, ou même m'a protégé. Écoutez, nous allons joindre deuxième point. Dieu protège toujours celui qui le craint. Par contre, vous comprenez. Dieu a protégé toujours, a toujours protégé mon qui craint lui. Moi qui critique pour mon Dieu a toujours protégé.
respecte mon Dieu, mon qui rêve mon Dieu, mon qui craint mon Dieu, mon qui obéit mon Dieu, mon Dieu a toujours protégé. Et ça, il a fait par rapport à ça, nous, par rapport à ça, nous, mais par rapport à ça, nous-mêmes, nous fait à Dieu, nous connaît Dieu toujours protégé, mon qui est crédible pour lui. Dieu dit, Élie, puisque côté Akab a tigé, il tombait en bas malédiction, pas qu'il a pu encore, ou même, ma foi, le côté. Côté que même si il craint pour en Israël, ou même moi je manger pour manger. Même si pas de l'eau, dans le royaume à capable de diriger. Mais moi même pas le cachot au côté. Ma vie de l'eau, je de l'eau pour moi. Et ma paille au corps de l'ordre. Pour le bas où de l'eau à manger matin. Et de l'eau à manger à souhait. Même si je n'ai pas de ou qui a plus de garantie pour suivre la parole de Dieu. Si pas y a quel avantage pour moi qui a désobéi mon Dieu, et bien quel avantage pour moi qui a obéi mon Dieu. Si il y a malédiction pour moi qui a désobéi mon Dieu, qui est bénédiction pour moi qui a obéi mon Dieu. Dieu prend Élie, il cache le côté pour le prendre soin. Pour ne pas manger. Et la Bible dit quelque part, puisque famine, sécheresse-là a grandi en Israël, l'Israël commençait à mener et pack sur toute région, qui permet même que l'eau commence à sécher. Côté Élie a caché, pour jouer une gloire, pour de gloire sécher. Qui ça l'Éternel fait? Est-ce que l'Éternel fait silence? Non. L'Éternel prend Élie côté le pays là, les transporte de l'autre côté pour la continuer pour soi. Donc, mes bien-aimés, de la vue des Samaritains, c'est la deuxième côté. Dieu va le protéger Élie. C'est ça que l'on dit. Dieu protège toujours celui qui les craint. Quelle que soit la situation à l'évée, quel que soit chemin à la grave, mon qui est chrétien pour mon Dieu a protégé. Bible a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, fait ça, repose à l'ombre du Tout-Puissant, mon qui est caché en bas celle mon Dieu, il a prêté la cacher. Et après qu'elle a protégé, on va seulement Dieu. Mais dans ce premier temps, il faut qu'on ait crainte pour mon Dieu. Nous songeons à l'épidémie, ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Parmi les rois, Ézéchias est un plus crainte pour mon Dieu. Parmi les rois qui étaient raïs Baal, Ézéchias était Yon Ladab. Mais l'Ézéchias a avancé en âge. Le dernier est le prophète Esaïe. Il voyait avec Ézéchias. Il dit Ézéchias, Ézéchias t'es malade. Il dit Ézéchias, je vais arriver pour mourir. Ou pas lever encore. Ou m'éteindre la mort. Mais la Bible dit, lorsque Esaïe finit par Ézéchias, parole là, Ézéchias, David viré dans la caille. Pour David viré, Ézéchias qui était sous table, non. Les vieux filles vont prendre. Et puis commencer à lamenter dans le pied du Seigneur. Il y a un homme qui a dit en prière, il dit Seigneur, songez autrefois, comment me déconseillez vous. Et c'est sous déclaration ça, le général contre Esaïe n'a pas pour la sortie. Il dit, tournez vers Ézéchias. Dit Ézéchias comme ça. Mon médecin, 15 ans sur la ville encore. Mais on se comprend une déclaration d'Ézéchias là. Seigneur, songez autrefois. Comment me déconseillez-vous? Ma
on est c'est que mon qui a fait déclaration ça lorsque ma vie est périmée si quelqu'un monde qui va craindre bon Dieu pas garantie pour yo mais quel que soit monde qui craint bon Dieu mais dans dernier moment qui garantie pour et ben tu vas périmer là pas parler de craindre bon Dieu m'a parlé à la commune nous rassembler pas en parler m'a parlé pour qu'il y ait respect pour la parole de Dieu monde qui va modifier la parole de Dieu avec quoi qu'ayo m'a parlé monde qui chita non plus la parole monde qui respecte la parole monde qui aime bon Dieu pas une machine de religion à parler pas en parler m'a parlé monde qui aime bon Dieu qui crée ciel là qui crée terre et qui suit la parole de Dieu. Moussaïo, mais dans le dernier moment, moment qui est terrible, Dieu a protégé. Même si l'épidémie, ce n'est pas moi qui dis Dieu dit ça. Moi, je sais pas quoi l'épidémie qui a tombé sur le monde, dans le temps de la lune. Ni comment la vie, moi, je sais pas ça. Parce qu'elle dit, on ténérait en bas abri très roi. Et bien, plus loin pour dire, même si on a 10 000 personnes qui sont à gauche, et 10 000, même si on est à gauche, mais 10 000 sont à droite, rien n'est pas privé. Ça, c'est le monde qui craint mon Dieu. Tandis que le monde qui désobéit mon Dieu, les livrer au Baal, les livrer à Satan. Le monde qui désobéit mon Dieu, il faut être tel content. N'importe quel moment, Satan va vendre elle. Parce qu'elle est sans protection, mon Dieu. Après un nombre de temps, les seigneurs réélisent de la maison de la femme Sarepta. Nous avons toute l'histoire qui passait à question au pain avec le vin. Là, son autre message, nous avons là-dedans. Et farine avec le vin. Maintenant, au palais, petite femme qui va mourir, Élie va ressusciter. Et après tout qu'il soit ça, Dieu va lier Élie pour faire Élie tourner vers la cave. Il va lier Élie pour faire Élie tourner vers la cave. Et pas oublier, bien aimé, depuis là, Élie, c'est fini, mais à quand premier message, c'est je laisse la pluie pas tomber là, à quand pas chambre Élie encore. Et à quand, à chercher dans tout petit coin, côté d'avoir Élie pour touiller Élie. Alors maintenant, Dieu va relever Élie pour vous le tourner vers à quand. Là, on va jouer le point, les serviteurs de Dieu se positionnent. Quel que soit le monde qui s'est vrai serviteur mon Dieu pour les positions. Serviteur mon Dieu, pas qu'à dans toute sauce, il faut le positionner. Et maintenant, ma gars, il va terre. Ou même qui chita là, ou même qui a suivi le roi. De vous, c'est vrai serviteur mon Dieu. Pas le chita avec faux pasteur pour négocier. Ce sont vrais pasteurs qui vont dire le tout pour vrai. Pour qu'il y ait quelqu'un qui a mis son sel pour qu'il y ait servi, pour qu'il y ait ensemble, pour qu'il y ait un sel. Pour qu'il y ait une position, mon Dieu. Quand on suit la parole de Dieu, parole de Dieu, mettons pour prendre position. Mais comment servir mon Dieu? Mais comment nous nous servir mon Dieu? Et puis ça vous finit. Maintenant, nous sommes sur la plot parce que ça arrivait avec le roi Josaphat. Le roi Josaphat, c'est le roi qui régnait sur le royaume de Juda. Alors Aska, Akab régnait sur le royaume d'Israël. Notre question c'est roi à quoi? Notre question c'est pasteur, pasteur, pas de problème. Josaphat quittait le royaume Juda, prend cheval à Juda à Akab pour négocier. Alors ce que parmi les rois Josaphat était, et parmi les mauvais rois, Akab fait partie. Josaphat va quitter la Kaili, venir chita sur question, nous c'est des rois, pas de problème entre nous.
Et puis elle chie dans la caille Akab à négocier. Et là, il dit à Akab, Akab dit bon, nous tout là c'est frénoyé, si vous m'avez dit le faire, pour nous mettre ensemble. Et puis Joseph va lever bouche pour diable. Qui va même bonne dimension, mon Dieu va dire oui, et c'est frénoyé, nous pas de problème, si vous m'avez l'âme, la mort, la mort, fort. Mais pour qui ça, Dieu va réprimander Joseph. Pas qu'il faut qu'il n'ait pas de lit des pasteurs. Au surtout, tout besoin pasteur qui fait Orlando, pour agir parmi les grands pasteurs, les lits des pasteurs, tout c'est la vie. Tout le lit des pasteurs, elle a eu pour elle. Elle peut courir, courir, vite et pour elle. Tout c'est la vie, tout c'est conquête, tout c'est relais. Mais toute vieille situation, non, toute vieille sac à commettre, il y a un fait pour un criminel, tout ça. Et puis, mon cher Léo, j'ai une relation pour le chita avec vous. Vous voyez, vous ne pouvez pas partir parmi les grands leaders, parmi les grands pasteurs, acheter parmi les grands leaders, parce que vous avez des leaders, vous avez des grands pasteurs et les petits pasteurs. Les petits pasteurs, j'étais avec petits pasteurs, grands pasteurs, j'étais avec grands pasteurs. On peut mafia et vous ne pouvez pas positionner vous-même. Vous avez une relation. Mon garçon, mon Dieu, fidèle, il te positionne. Il positionne là, mon Dieu. Et mon Dieu, prends soin de côté. Et ça passe, même si on ne va pas rouler, mais il y a un salut de Dieu, on va révéler quelque chose. On va faire tout grand royaume, bon Dieu va jamais révéler, on y est. On va faire toujours Daniel, bon Dieu révéler, on va faire ça. On va faire Élie, Élisée, bon Dieu toujours révéler, pour annoncer grand royaume, même quand on gouverne, ça va le passer, on va jamais aucune révélation qui se nomme au Dieu. On va faire ça. Bien dit. Moun ki pèse, bon Dieu va lever. Moun ki allait doucement, dans Décolie chapitre 7, si pas tombé verset 14, il dit si mon peuple, ce qui a été évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, et puis prier m'entendre dans l'ancien là. Après les rabbins de l'île, des grands pasteurs, ou qui dans un système mafia, un système coquin, le tout dossier, et si on décolle à chaque négociation là. Maintenant, l'éternel est Élie. Il dit Élie, il est arrivé pour le prendre position pour moi de voir la femme. Ça fait, lorsque dans Esaïe, chapitre 6, le ciel a dit besoin de vous le voyez. Qui nous dit mal campé pour le fournir? Qui nous met en position pour parler pour lui? Pas de monde qui parle, et Esaïe parle et dit, me voici, envoie-moi. Le Seigneur a besoin de nous pour le campé pour en position pour la vérité. Maintenant, c'est la suite de la passée Jodia sur les réseaux sociaux. En plus, journaliste, faux ou vrai, a parlé pasteur mal. A dit qu'il y a qui ça, pasteur André. Et je dis, c'est même encore. Lorsque vrai serviteur de Dieu a dit attention, politique pas chambre est tout le monde facile. De prendre la politique ou pas qu'à sérieux. Et puis autour de politique, on dit non, mais monsieur pas soyez, faut aller en politique, faut entrer en politique, ou bien nous pour aller, et puis couler la finale. Et puis on commence à dire, mais pas sur la politique, il y a une volée, alors que tu es le système politique là, il va changer le monde est bien. Mais puis le même jour matin, quand on soit attendu matin, il n'y a personne, mais bien-aimé, qui va jamais baisser les bras avec l'évangile qui a prêché là. Dieu l'élit, l'idée est le peuple présenté devant Akab. Il est arrivé pour Élie à le présenter devant Akab. Et à l'époque, c'est que ça était vraiment grand. Il a cherché de l'autre côté. Et pour le compte de l'histoire, nous avons pris tout le bagaille. Lorsque Élie prend le compte avec Abdias, pour dire Abdias, nous avons cherché une loi. Et puis nous avons cherché. Abdias était bien peur. Les rois, Élie prend le rencontre à Akab. Alors que le connaît, c'est pas fâché qu'il y a Akab fâché. Il a cherché Élie pour le tuer. Mais Élie dit qu'elle doit être chance, ça y est. Pour Dieu en servir, c'est bon Dieu vivant. Je viens de prendre position. Pour me rencontrer avec Akab, pour me parler, pour montrer entre
vrai Dieu a faux Dieu. Et puis nous comprenons l'histoire, Élie va le rencontrer avec Akab. Pour lui rencontrer, Élie rencontre avec Akab. Souvenez-vous dans 1 Roi, chapitre 18, verset 15. C'est là la proposition pour contre Abel. Et dans le même chapitre, le bien-aimé, au parlons lorsque Élie rencontrait avec Akab, dans verset 16, regardez ça, le dit, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 16, Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès des Baal, et fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la rencontre de la montagne de Carmel. Et aussi les 400 prophètes, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Mais ils rencontraient face pour face Élie, le prophète de l'Éternel, et Akab, un faux serviteur qui mélangeait travail pour Dieu à travail Baal. Mais bien aimé, ma tour là et ma terre. L'hiver, les noms rencontrent faux pour faire connaître le faux. Pas chaque rencontre au faux pour dire oh, ça vient de mon Dieu, non, c'est pas possible. Système, ça n'a pas bon. Et nous couvrons parce que malouillé pour n'avoir pas l'air de foi pour dire ça vient de mon Dieu, non, c'est pas possible. Lorsque le roi Élie, lorsque le prophète Élie, il rencontre avec le roi Akab, roi Akab dit, ah Élie, c'est lui-même qui a troublé Israël. Élie dit, non, roi Akab, m'a troublé Israël. Au contraire, c'est lui-même qui troublé Israël, c'est lui-même. Parce que c'est lui-même qui désobéit mon Dieu et qui tourne vers là. Je dis à ce qu'un tonne aujourd'hui, ce n'est pas qu'un faux pasteur qui la cause. C'est un tonne qui a passé aujourd'hui, c'est à cause de faux révérend, faux bishop. Et mélanger un faux mob, faux prédicateur, faux musicien, faux missionnaire, faux diacre, faux diabolaise, qui a conduit ça de la croix aujourd'hui là. Maintenant, on pas converti, mais on rencontre nous faisons connaître ces gens qui convertis qui ont eu. Maintenant, on connaît ces gens qui marient plusieurs fois, n'appelons les hommes de Dieu. Nous connaissons un bal en même temps. Nous voulons plus la maçon, n'appelons le homme de Dieu. Il y a plusieurs battements de droit, battements de maçon dans le droit, mais n'appelons le serviteur de Dieu. Je veux dire, c'est lui qui la cause. Toute mafia, ça y est. Maintenant, le pasteur, nous voulons le kidnapping, mais on s'appelle le pasteur. Maintenant, le barreur avec l'argent est quoi? Il y a parti à courir avec l'argent, mais on s'appelle le pasteur. Il y a tout ici, nous on est tout à terre au flanc. Maintenant, on coule, on coule, dans sa vie, mon Dieu. Mais on est au serviteur, mon Dieu. Et je dis à ma mère, on peut nous rappeler. Mais vous, nous êtes serviteurs, mon Dieu, tout le monde perd. Je dis à la, nous pas couru. Pour qu'on a varieux encore. Mais vous, nous êtes pas sûrs, tout le monde couru pour vous. À cause de mafia. Plusieurs fois, à quoi les gars volent, à casser, casser l'église, à quoi les qui va déjeuner en théologie et pas qu'à tout le monde pasteur. Et pas qu'un homme de Dieu comme Élie qui a campé pour dire non, faut que vous les ayez foyer et faut que vous les foyer, c'est vrai, oui. Et puis Élie dit, mon arrivé pour connaître qui est-ce qui va être Dieu là. Ou bien le moment arrivé pour nous connaître qui est qui a servi mon Dieu tout pour moi. Et il dit, nous parlons à Carmel,
les prophètes Baal et les prophètes Astarté, au nom de 950 ans, qui mangeaient la tête de Jézabel, ne pas le présenter là. Il est ça. Nous parlons là, les cigognes, il y a un serviteur de tout bois, qui est souillé. Et bon Dieu qui rit là, qui est-ce que bon Dieu qui rit là? Et mes bien-aimés, sur la montagne des Carmel, messieurs réunis. Nos textes là, mes bien-aimés, lorsque ils ont réuni, mes déclarations qui me remettent dans le texte là, le verset 21. Ma prière verset 27 à verset 21. Lorsque Élie mandait pour tout le monde réuni, lorsque réuni, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il assembla les prophètes à la montagne des Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand causerez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Le peuple, verset 22, le peuple ne lui répondit rien. Ça est important pour nous. Les réunis à Carmel, tout le monde l'a assemblé, le peuple d'Israël, les prophètes de Baal et Élie. Première déclaration qu'il fait. Jusqu'à quand closerez-vous de deux côtés? Jusqu'il est narcissan mélangé travail bon Dieu. Jusqu'il est n'a pas fait et maçon loge en même temps. Jusqu'il est n'a apôtre et raqueté en même temps. Jusqu'il est n'a maestro et vagabond en même temps. Jusqu'il est n'a marié et le fils porté en même temps. Jusqu'il est n'a divorcé le marié et le passé en même temps. Jusqu'il est il a été loin pour dire maintenant. Seul moment, si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Pas vite faire mascarade. Sous sentiment de jamais épiscope. Qui est pasteur à la maçon loge là, on va pas mélanger ensemble. Son senti, un politique là, tout le qui est l'église là, dit je vais être de Dieu. Et pour moi, à la politique là, moi je chante à dire après ça, on va sortir de bas. Mais pas mélanger travail ensemble. La Bible dit, et il dit, c'est Baal qui a tué, allez après lui. C'est l'Éternel qui a tué, allez après lui. La Bible dit, le peuple n'a pas répondu rien. Alors, lorsque dans Josué 24, lorsque Josué dit avec le peuple d'Israël, il y a une question. Jusqu'à quand crochez-vous de l'autre côté? C'est Baal qui a tué, allez après lui. C'est l'Éternel qui a tué, allez après lui. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple a dit non, nous-mêmes tout, nous ne pouvons pas l'adorer Baal, c'est mon Dieu, on va le servir. Donc ça veut dire, le peuple d'Israël maintenant à l'époque des Josué, et le peuple d'Israël à l'époque d'Akab différent. Parce que le peuple a tellement influencé par Baal, il n'y a pas de position. Je dis là, soit plus sur l'évangile qui doit, n'est pas tendu, n'est pas marché avant. Parce que le système n'est pas bon. Le système là, c'est comme le Clorox. Et puis, là, c'est comme le Clorox. Il y a un qui prend un Clorox déjà. Et c'est là, mes bien-aimés, nous avons ça par le passé. Dans le texte là, lorsque Élie va demander pour faire démonstration, et la démonstration qu'il va faire, il va demander pour ouvrir les Baal, et lui-même, il va relire en Dieu. Mais Élie a eu chance pour ouvrir les Baal avant. N'ayez pas les Baal. Nous parlons toute l'histoire en détail parce qu'on a pu se demander déjà. Mais n'ayez pas les Baal. La Bible dit qu'on commence à ouvrir les Baal depuis le matin jusqu'au soir. La Bible dit Baal par les bonnes. C'est ça qu'on va joindre. Les faux ne subsisteront pour toujours.
Foyo pas là pour longtemps. Foyo pas prêter sur la terre à jamais. Golek a privé, nous va prendre foyo encore. Golek a privé la bien-aimée. Moun qui a pas menti, pas là pour longtemps. Golek a privé, moun qui m'a vu la vérité, yo pas là pour longtemps. Golek a privé la bien-aimée. Moun a désobéi mon Dieu. Moun qui m'a fié à Bible, yo pas là pour longtemps. C'est pas j'en dis, si vous m'avez pour nous parler, c'est de parler la vérité. Si vous message pour nous parler, t'as des messages qui m'aident à saluer. Et pas message aux frères Salomon. Et pas message aux frères Jélestère. Ça vous parle de la vérité. C'est un message saluer. Message qui m'a la vie éternelle. Message qui sauve. Message qui mène le royaume des cieux. Message à prêcher par les vrais apôtres de l'éternel. Message qui tue pour t'en aider. Mais qui bat la vie éternelle de Béa. Mais bien aimé matin, d'après l'histoire, dans tous les chats, il existe toujours un faiblesse à qui Dieu se révèle. Dieu protège toujours celui qui les craint. Les habitants de Dieu se positionnent. Le faux n'est suffisamment. À jamais, ou pour toujours, ou même qui l'a matin, ou même qui a suivi nous, de loin, mais bien aimé, Dieu besoin des vrais serviteurs. Comme serviteur a dit, Pasteur Patrick, dans Jean, lui dit, les arrivés, et arrivés déjà, pour les vrais adorateurs, adorons le Père. En esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais serviteurs. Dieu cherche des vrais pasteurs. Dieu cherche des vrais apôtres. Dieu cherche des vrais musiciens. Dieu cherche de vrais servants. Dieu cherche, alléluia, de vrais prédicateurs qui annoncent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a l'évangile qui n'est pas mélangé. Il y a l'évangile qui n'est pas mélangé avec Baal. Il y a l'évangile qui n'est pas mélangé avec saleté. Il y a l'évangile qui n'est pas mélangé avec ténèbres. Mais il y a l'évangile qui porte la vie éternelle. Il y a l'évangile qui bat la liberté. Il y a l'évangile qui bat la délivrance. Et on mélange, on l'évangile, la bien-aimée qui sauve les noms. Il y a l'évangile qui sauve les cœurs. Il y a l'évangile qui libère les corps. Il y a l'évangile qui casse les chaînes. Il y a l'évangile qui renverse les montagnes. Il y a l'évangile qui ressuscite les gens qui mourent. Il y a l'évangile qui guérit les gens qui malades. Il y a l'évangile, alléluia, qui chasse les démons. Il y a l'évangile, alléluia, qui lève les défis. Il y a l'évangile, alléluia, qui casse les chaînes de prison. L'évangile qui lève des vies. Et on l'évangile, ma bien-aimée, qui ouvre un pot de tombeau. Et on l'évangile, ma bien-aimée, où a besoin de payer pour ça. Et on l'évangile, ma bien-aimée, qui couvre le diable là. Et on l'évangile, ma bien-aimée, qui va permettre l'âme. Qui va permettre le diable malheur. On l'évangile, ma bien-aimée, qui va prendre la machine. On l'évangile, ma bien-aimée, qui va prendre mon gars. On l'évangile, ma bien-aimée, qui va prendre l'armée montée. On l'évangile, ma bien-aimée, qui va prendre la. Qui va prendre la poudre, on l'évangile de bien-aimé. Qui va prendre la poisson, on l'évangile de bien-aimé. Qui va prendre le complot, c'est l'évangile ça. Dieu veut nous prêcher. Et après quoi, de bien-aimé, on l'évangile qui prépare pour le son de la trompette de Dieu. Que mon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia, nous va chercher mon sauveur. Voilà, merci Seigneur, alléluia. Oh papa, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, mon sauveur. Voilà, ton Seigneur, béni Seigneur. Alléluia. Puissé mon Dieu. Alléluia. Puissé miséricorde, compassion, Seigneur. Alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh papa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Voilà Dieu. Alléluia. Vous remerciez le Seigneur. Voilà Dieu. Vous parlez de la vérité.
Pour ne pas subir les influences, pour ne pas mélanger l'évangile. Israël est composé de 12 tribus. Après les fines femmes, il y a 12 tribus. Il y a 10 tribus qui forment le royaume d'Israël. Il y a seulement 2 qui forment la tribu de Juda. Même les 10 tribus, il y a des obéis, mon Dieu, mais bien puissant. Il est très influent. Gloire à Dieu. C'est nos barrages, ça, nous allons tomber. Là, il va se dire que le tribunal, nous allons distribuer. Il est influencé. Judas tellement influencé, les vins subit même son Israël subit. Car c'est Israël qui est en captivité avant. Mais tellement influencé Judas, Judas aussi allait en captivité tout. Gloire à Dieu. On ne peut pas arrêter de nous influencer. Parce que nous avons tel groupe, puis. Il y a plus de passion. Vous comprenez? Quel côté il y a plus de passion? Non! Voilà, on a dit, on a un regard fixé sur Jésus. Amen. C'est pas la part et pas la bonté. Bon Dieu, dans ça qui va mélanger. Dieu nous doit observer avec tribu de vie avant de votre mélanger. Mais les vies d'Israël, Fanandé, depuis sous Jéroboam, il y a changé le roi. Il y a mélangé jusqu'à ce que la dimension, il y a pas de Akab. Qui est Dieu païen? Astaté est Dieu païen. Dès que vous quittez la vérité, on finit par démoniaque. Dès que vous quittez la vérité, on finit par satanique. Bagay, ou t'es gâteau, on va bien faire ce que vous voulez faire. C'est ça qui vit Israël. Tombez bien bas, à insulter l'éternel. Voilà Dieu. À nous pas mélanger. À nous pas mélanger. À nous pas positionner, mon Dieu. Voilà Dieu. Si nous croyons, parce que dans l'Apocalypse, Christ dit, quel monde, capsuel, continue à souiller. Quel monde qui a fait vagabond, continue à vagabond. Mais quel monde aussi qui a fait sanctifier l'avantage. Mon Dieu, pas qu'on peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger, on peut mélanger. Mais bien aimé, même si nous pas en pile, gloire à Dieu. On ne peut pas garder son influence. Même si nous devons, on nous donne la vérité, on nous donne de la parole. N'a pas la puissance de Dieu partagée parmi nous. Et on évangile, d'accord, on est venu pour des guérisons. On est venu de puissance, on est venu de pas mélanger. De vous mélanger, vous avez plus de temps, vous avez plus de pasteur, mais vous êtes plus vulnérable. Vous avez plus de pasteur, le loup orange. Vous avez plus de pasteur qui va me monter. Vous avez plus de pasteur, vous avez un pasteur en Haïti, il y a un bon corps qui est mangé. Bon corps fait cool qu'on est, il va manger. Pour manger pasteur, la conversion est en l'église pasteur. Là, il conversion est en pasteur, il y a un bon corps à conversion. Je suis content. Bon, on va aller voir monsieur, il y a un coup là. Non, non, l'aime sur la gare, c'est ça la preuve. Il est mouillé. Nous, 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 il va mélanger. Parce que ça, il était mélangé. Il était mélangé. Dès que vous mélangez, vous ne pouvez pas tuer. Bon diable livré. Bon diable livré, vous avez bien protection. Vous avez bien des absous. Mais si vous avez bon Dieu fidèle, bon Dieu, vous avez bien garantie. Là, vous avez bien dit. Monde qui aurait été en bas, l'homme du Tout-Puissant, il est garanti. Merci Seigneur pour l'évangile de ça. En au moins, avec vous, décidez de vous faire l'évangile de ça. Pas mélanger. J'aime nous, pas mélanger. Vous même, garde-toi, nous, les autres, pas mélanger. Servir mon Dieu dans la droiture. Amen. Pas subir influence. Monde qui est plus grand, qui est plus puissant, qui est plus bon, parce qu'on rêve dans la parole, rêve dans la vérité, et mon Dieu va parler pour nous, nous, pour nous terminer. Oh, merci Seigneur.